Bonjour les petits loups, on se retrouve aujourd'hui pour une histoire sur le thème d'Halloween. Alors vous êtes prêts? On ouvre grand les oreilles, on ouvre grand les yeux et chut. Ma première histoire s'intitule Gloops, j'ai avalé Cornebidouille. Et elle a été écrite par Magali Boniol, illustrée par Pierre Bertrand et elle est parue aux éditions École des loisirs. J'ai avalé Cornebidouille. Pierre, veux-tu mettre cette poubelle dans le jardin, s'il te plaît? Elle ne sent pas très bon. Oui, maman, je m'en occupe tout de suite. C'est très bien, mon chéri. Ah, comme notre petit Pierre est gentil en ce moment, apprécia sa grand-mère. Il est si mignon, renchérit son grand-père. Oui, oui, rétorqua son papa. Dommage tout de même qu'il ne mange toujours pas sa soupe. Pendant ce temps, nos deux petites sorcières chuchotaient dans la poubelle. « Nom d'une crotte de bidouille, ce petit morveux nous a encore eus !»« Pas pour longtemps !» répliqua l'autre. « Unissons-nous et nous le mettrons à genoux !» Et aussitôt, Cornebidouille, Cornebidouilla, deux en une redeviendra. C'est ainsi que nos deux sorcières ne furent de nouveau qu'un seul grain de poussière qui escalada le dos de Pierre. À table, mon chéri, appela sa maman. Il y a un délicieux bol de soupe pour toi. Non, je veux pas, rétorqua Pierre. Et puis je suis fatiguée, moi. Mais hop, Cornebidouille en profita aussitôt pour sauter dans sa bouche. Ips, fit Pierre soudainement. Oh, Pierre, s'inquiéta sa maman, mais tu as le hoquet? Non, merdran, mais yips, j'ai avalé de travers, yips. Mais qu'est-ce que c'est que ce langage? Gronda son papa. Oh, cracra, je crois, yips, que je me suis enrubidouillée, répondit Pierre. Je ne comprends rien de ce qu'il nous raconte, s'affola sa grand-mère. Vite, 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 il faut appeler le docteur. Quelques instants plus tard. Bonjour, mon petit. Bonjour, tracteur. Dis donc, rétorqua le docteur. Tu pourrais être un peu plus poli. Mais c'est comme ça depuis tout à l'heure, s'inquiéta sa maman. Il a mal à la gorge et il dit des gros mots. Je crois bien qu'il a avalé quelque chose de travers. Bon, bon, bon. Essaie de dire 33, poursuivit le docteur. Tête de putois. Non, 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 insista le docteur. Je t'ai dit 33. Proute de chamois. 33, s'énerva le docteur. Ce n'est pas compliqué tout de même. Gros tas de caca. Bon, je m'en vais, fit le docteur agacé. Votre petit Pierre a dû faire une indigestion. Une petite soupe et surtout l'apprentissage de la politesse devrait lui faire du bien. Mais docteur, il n'aime pas la soupe, répondit sa maman. Alors qu'il aille au lit et qu'il se repose. Au revoir tout le monde, fit le docteur en claquant la porte. Au revoir chou-fleur, dit Pierre. Oh, Pierre, s'exclama toute la petite famille, indignée. Et Pierre fut envoyé au lit sans plus attendre. Cornebidouille en profita aussitôt pour descendre dans son ventre. Cette fois, je te tiens, mon petit boudin. Sors de mon ventre, Cornebidouille, s'écria Pierre. Non, mais tu rigoles, tête de gondole. J'y suis, j'y reste.
Je vais juste faire un petit brin de ménage, ricana-t-elle sournoisement. Et d'abord, un petit coup d'aspirateur. Oh non, non, fit Pierre en gémissant, ça me chatouille, ça me chatouille. Et puis, un petit bain de vapeur. Ah, ça me brûlouille, ça me brûlouille, se tordit-il en tout sautant. Et maintenant, je vais décorer cet intérieur. Oui, 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 ça me picouille, supplia-t-il en transpirant. Tant mieux, petit morveux. Ah ah, ce ventre appartement me convient parfaitement, dit-elle en s'étirant. Enfin, peut-être trop petit tout de même. Et Cornebidouille se mit à grossir, à grossir, à grossir. Le ventre de Pierre était énorme. Il eut beau tousser, pousser, rôter, rien n'y fit. Cornebidouille était bien installé. C'est alors que Pierre eut une idée. Vous avez gagné, madame la sorcière. Je vais manger ma soupe. Mais sortez de là, par pitié, sinon je vais éclater. Eh bien, vas-y, face de pissenlit, mange-la, cette soupe. Mais, madame la sorcière, si vous êtes dans mon ventre, je risque de vous noyer. Ah, ah, c'est vrai, ça. Oh, nom d'un pipi de chimpanzé, je n'y avais pas pensé. Et puis, madame la sorcière, je salirai votre jolie chevelure. Ah bon? Et j'abîmerai votre belle robe de verdure. Ah bon? Et vos si jolis yeux bleus d'azur. Ah bon, ah bon? Oh, fit-elle en se trémoussant. Foi de tourterelle, c'est la première fois qu'on me trouve belle. Mais si je sors, reprit-elle sévèrement, est-ce que tu la mangeras vraiment, cette soupe? Bien sûr, madame Cornebidouille, répondit Pierre malicieusement en se dirigeant vers la cuisine. Eh bien, j'arrive tout de suite, gloussa-t-elle en se rétrécissant. Mais dès qu'il sentit la sorcière dans sa bouche, Pierre se précipita à la cuisine, s'empara de la soupière et cracha Cornebidouille dedans. Sors-moi de là, face de cancrela, rugit Cornebidouille. Sinon, je vais te plumer comme un poussin, te faire manger ton petit lutin, te faire souiller le popotin. Mais pas peur, grosse momoche à vapeur, vous n'êtes qu'une margoulette en jupette. Comment? Une tripette de vieille hippette. Comment? Une mémé poulette qui pue qui pète. Comment oses-tu? Bon ben, madame la sorcière. Non, non, hurla Cornebidouille en s'enfonçant inexorablement dans la soupe. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, « Bonjour tout le monde !» dit Pierre. « Bonjour mon chéri, on dirait que tu as meilleure mine aujourd'hui, » se réjouit sa maman. « As-tu mangé ta soupe ?»« Non, » répondit Pierre timidement. « J'ai juste craché dedans. »« Oh, mais c'est dégoûtant !» tonna son père en s'énervant. « Pas mal écœurant, insista son grand-père en grimaçant. « Mais c'est que j'avais très mal au ventre, » se justifia Pierre en se tortillant. « Oh, zut !» ajouta sa grand-mère en souriant. « Et moi qui pensais te préparer pour ce soir un bon bouillon de pommes de terre. « Mais tu es sûre que tu n'en prendras pas, Pierre ?» Non, je veux pas. Et voilà, les petits loups, j'espère que mon histoire vous a plu. Pour prolonger ce moment, je vous invite à réaliser ce petit photophore chauve-souris affreusement mignon. Restez bien avec nous pour en savoir plus.